Hello, hello, bonjour. Désolée, je perds ma voix. J'espère que vous allez bien. J'ai froid, je suis en pyjama, hein. Je suis en vêtements, en survêt de traînage à la maison. Comme vous l'avez compris, je ne sors pas beaucoup. Alors, on m'a envoyé un message dans lequel on me dit que Castex va faire passer le passe-partout pour un vax coco, un passe-vax coco. Alors, j'ai pris mon nouveau jeu, si vous voulez vous le procurer, c'est le Mage Edmond de Béline. Alors, je vous le montre, les cartes sont énormes, énormes et super dures. On dirait les cartons qu'on met sous les verres quand vous allez prendre un verre dans un bar. Allez, on y va. On va voir avec l'Edmond de Béline ce que dit, est-ce que le passe-partout va être transformé en passe-caca? Alors, est-ce que ce cher Castex va réussir? Qu'est-ce que nous avons là? Alors, on en a trois. Une, deux, trois. Hop là. C'est bien. En plus, elles sont tombées retournées. Ça va être le suspense jusqu'à la fin. Alors, est-ce que le passe-partout va devenir le passe-soupe? Là, celle-là, elle est tombée comme ça. Alors, ici, on a l'étoile de l'homme, donc l'énergie masculine. Et nous avons la féminine. Et nous avons la pensée amitié. La pensée amitié qui nous parle aussi de souvenirs. Qu'est-ce que nous avons ici? Retard. Nous avons la carte de la prison. Regardez, plus tard, prison, appui, support. Qu'est-ce que nous avons là? Inconstance dans les appuis. On a la plus belle carte du jeu par rapport à cette nouvelle entreprise ou cette nouvelle façon de vivre ou ce nouveau monde. Et on nous parle d'argent. Qu'est-ce qu'on a ici? Intelligence, donc utiliser la perspicacité et on nous parle d'élévation. Nous avons là la passation, le legs. Et nous avons quoi ici? L'accident, l'effondrement. Et qu'est-ce qu'on a? À la nouvelle année. À la nouvelle année. Alors, qu'est-ce qu'ici? Alors, ici, on a le despotisme qui nous parle d'ennemis. Hein. Campagne. Regardez, on a la carte des procès. On dirait que tous ces gens-là se précipitent pour se mettre à l'abri. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a les foyers. Ici, nous avons les présents, donc cette période de fête. Nous avons l'homme et la femme, donc, et on nous parle de souvenirs. Qu'est-ce que nous avons ici? Des découvertes. On va découvrir pas mal de choses. On va avoir des révélations. Donc, moi ici, je n'ai pas de positivité par rapport à ce passe-partout qui va devenir passe-coco. Et là, ça nous dit bien qu'il va y avoir, qu'ils se mettent à l'abri et qu'ils, moi, je n'ai pas ça. J'ai les procès au contraire. Hein. Ils ont beau se cacher, mais il y a les procès. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre? Je vais prendre on va prendre l'Étella. Ah ben, c'est héritage au niveau des foyers. Donc, ce que nous allons transmettre à nos enfants.
Au niveau des cadeaux, nous avons l'affection qui serait dans le défi. Qu'est-ce que nous avons avec les découvertes? J'aime bien le nouveau jeu. Je pense que c'est Patrick de Koning, Jean-Patrick de Koning, voilà. Et c'est le mage Edmond Béline. Et franchement, ça, c'est un jeu qui va durer longtemps parce que les cartes sont épaisses, les dessins sont beaux, simples mais beaux. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a au niveau de l'homme, originalité. C'est un valet, hein? Bon, ce cher Castex n'est qu'un intermédiaire. C'est le valet, au fait, hein, le Castex. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Instabilité. Il fait ça pour foutre l'instabilité dans les foyers et pour vous démolir le moral, hein, parce que vous êtes déjà dans les souvenirs. Alors, surtout les femmes, hein. Ben, les femmes, je dirais, c'est plus une énergie féminine puisque les fêtes, c'est féminin. Alors, voyons voir. Ici, je vais en mettre une autre. Qu'est-ce qu'on a? Égarement. Voilà, ils essayent de vous déstabiliser. On va recouvrir celle-là. La carte de la découverte. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Découverte d'ennui. Et de l'autre côté, c'est les revers, hein? Donc, ennui. Des découvertes qui vont apporter des ennuis. Qu'est-ce que nous avons là? Cadeau et bonne fortune. Voilà. Alors, des découvertes qui vont ennuyer les personnes qui vont être concernées. Mais on nous parle d'une période de cadeaux et de bonne fortune. Donc, bonne fortune. On souhaite la bonne fortune à nos proches et à nos amis, par exemple, pour la fin de l'année. Je te souhaite une merveilleuse et heureuse année. Des sous, de la santé, que tous tes vœux se réalisent. Voilà. Donc ici, on nous parle de découvertes qui se précipitent. Hein. Alors, qu'est-ce que je... Ici, on a la carte de l'infortune. On a la carte du domicile, du logis. Donc, au cas où on ne l'aurait pas compris, on nous parle d'espions et de contrats. Économie, succès, arbitrage. Ici, on a une décision importante à prendre. Nous avons la carte de la joie profonde parce qu'il y a un procès. Alors, ici, on nous parle de célibat, mais soupçon, hein. Célibat, ignorance, mensonge, veuvage, incapacité, biens ruraux, le passé, ambition, tempérance. Bon, on va apprendre un tas de choses, mais pour l'instant, ils essayent de vous intimider. Ils laissent faire les... Enfin, ils essayent parce qu'il y a encore des idiots, pardon de le dire, mais il y a des idiots qui vont encore se précipiter. Voilà. Alors, pour être sûr, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons interroger les pendules. Hein? J'ai ma feuille là. J'ai sorti une feuille. Comme ça, vous pouvez la voir. Elle est grande parce que ça représente ça, au fait. Hein? Il y a le non. Il y a le yes. Unkno, que vous avez été adorable de me dire inconnu. Et Mabel, qui veut dire Mabe, qui veut dire peut-être. Alors, mon cher pendule, nous allons le mettre là et je vais le faire tourner. On va le faire tourner. Hein. Alors, est-ce que le... Je vais penser très fort dans ma tête. Hein. Est-ce que le passe... Alors,
je viens de formuler dans ma tête. Alors, il est sur la ligne du non et du peut-être. Alors, je vais peut-être reformuler ma question. Alors, est-ce que le pass sanitaire va se transformer en pass vax? Vous voyez, il reste sur la ligne, hein. Il reste entre le peut-être et le non. Il n'est pas dans le oui, mais tout dépend de vous. Tout dépend de vous. Parce que là, on est vraiment à la frontière. Pour ceux qui vont se précipiter, peuvent tout faire basculer vers le peut-être et directement vers le oui. Donc, restez ancrés dans vos décisions, dans vos positions. Dites non. Désobéissez, je m'en fous, je le dis, désobéissez. Vous avez le droit de dire non, c'est notre droit souverain. Et là, les choses vont basculer vers non. Vous avez vu, il y a des procès qui arrivent. Ils savent rien faire. Bon, maintenant, je vais poser une autre question. Est-ce qu'en janvier, les choses vont s'arrêter? Je le fais tourner. Hop là. Alors, attendez, parce qu'il faut que je stabilise mon bras. Est-ce que tout va s'arrêter en janvier 2022? Voilà, je suis encore sur la frontière, peut-être. C'est plus sur le peut-être. Je vais prendre le truc, la feuille est trop grande. Je vais prendre le petit et je vais me mettre là, essayer de vous montrer. Donc le non, le uncle, le yes. Alors, on fait tourner, hop là, je vais reposer la question. Est-ce que toute cette mascarade va prendre fin en 2022? Voilà, mes amis. 2022, ça s'arrête. Je vous montre, il se balance là-dessus et regardez ce qu'il y a là-dessus. C'est le yes. Vous voyez? Alors, restez ancrés. Restez ancrés sur vos positions. Reboostez-vous. Reboostez-vous. Élevez vos vibrations. Chantez, dansez. Soyez heureux. Profitez de tout. Parce que ça va s'arrêter. Là, c'est eux, les rats sont en train de quitter le bateau, mais ils laissent les sous-fifres encore jouer la comédie. Voilà.
Je vais m'arrêter là pour ce tirage. N'oubliez pas de mettre un pouce parce que je crois que je le mérite quand même un petit peu. Et je vous dis à bientôt avec un autre sujet.